La YouTubance, c'est le retour de la tournée du CNVS France où vous pourrez me défier. Au programme, Calif Pana, Cercle Freestyle. Je serai accompagné d'Urban Ballers qui tenteront de vous impressionner lors des Urban Ball Fight. Leur objectif, garder leur place durant le tour. Car c'est vous qui choisirez les vainqueurs de chaque étape. Et bien sûr, le CNVS où j'affronterai les meilleurs de la Calif Pana locale. Il y aura également le stand Urban Ball avec tous les produits. Donc si tu veux passer un bon après-midi et m'affronter, c'est l'occasion. J'espère vous voir nombreux. Première date, le 9 juin au Casino Partouche de Saint-Amand-les-Eaux. Inscription à partir de 10h, le show commence à 14h. Je l'ai touché là. Non, toi, commence pas. Tout de suite, les Algériens, tout de suite. Salut YouTube, c'est Coach, ça va ou quoi? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, mais avant ça je veux vous annoncer encore une fois que le CNVS France est de retour. Vous pourrez m'affronter dans toute la France et la première date c'est le samedi 9 juin à Saint-Amand-les-Eaux. Je vous attends nombreux là-bas, vous avez toutes les infos dans la description et là je vais affronter un adversaire spécial. C'est parti. Salut à tous, c'est Souila et aujourd'hui avec mon bébé, on représente la Garnier Family et on va challenger CN. Let's go! Bon voilà, YouTube en Souila, quel sauvage! Pourquoi tu me pousses comme ça? C'est quoi ça? C'est pour rigoler! Ah, je te taquine! Ah, c'est juste carton jaune, ça ne donnera pas le rouge. Bon, c'est quoi le challenge? Enfin... J'ai juste un jaune, t'es pas exclu encore. Ça dépend comment tu te comportes, parce que là t'es sur ma chaîne. Donc Garnier Family dans les commentaires s'il vous plaît, hashtag Garnier Family. Bon alors aujourd'hui, celui-là elle est archi contente parce qu'elle a sorti son t-shirt avec ses chaussures. On peut vous montrer. Voilà, magnifique. Bon, moi j'ai rien à sortir du tout, mais c'est pas grave. Celui-là, première question, c'est quoi le challenge? Crossbar. Crossbar challenge? Ouais. Ok, alors du coup on veut utiliser quelle balle? Attends, ça c'est pour le freestyle et ça c'est pour les petits ponts. Ouais, pour la crossbar. Celle-là? Allez, pourquoi? Parce que moi je vais la faire rebondir en fait. Ah, et... Du coup moi je fais rebondir. Parce que je sais pas si je pourrais tirer le ballon par terre en fait pour marquer. Et pourquoi tu prendrais pas cette balle pour la faire rebondir? Parce qu'elle rebondit pas. Pourquoi? Parce que c'est une balle de panne. Ah là, non, mais c'est pourquoi? J'ai fallu que je la teste la youtubeur, j'étais obligé. Donc on va prendre la Urban Ball et on va aller tout de suite faire la crossbar challenge. Et d'ailleurs, celui-là, mais avant de pour s'échauffer, faire un petit geste de freestyle. Donc celui-là, s'il te plaît, petit geste de freestyle. Oh, magnifique! Attends. Je serais pas enceinte, en fait, j'aurais fait le tour du monde. Je peux en faire plein. Je vais même faire le triple tour du monde, mais là... Mais en vrai, de vrai, t'as pas une Urban Ball là dans ton ventre? Attends, je suis sûr que je peux faire un truc. Retourne-toi pour voir. Vas-y, ok. Retourne-toi. Tu vois? Ah ouais, t'es plutôt comme ça. Eh ouais. Urban Ball jusqu'au bout. Ouais. Non, on va voir comment tu fais à la crossbar challenge, on va voir. Ok, let's go. Ok, donc crossbar challenge. Gagne quoi quand j'aurai gagné? Déjà gagne, après on verra. Je te ferai à manger tous les soirs pour le store. Allez, vas-y. Attends, ce premier essai de celui-là. Oh hey, J'ai eu archi chaud. Je l'ai touché là. Non, toi, commence pas. Mais... Tout de suite les Algériens, tout de suite la triche. Allez, vas-y. Oh. Alors celui-là, on t'a dit qu'il faut pas viser le panier, c'est la crossbar. Après, non, moi, je voulais mettre le panier. Après celui-là, si tu veux mettre des paniers, c'est comme ça qu'il faut faire. Like you. Really, 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 yeah. Really, really, yeah. Attends. Déjà, premièrement, elle m'attend pas. Crossbar. Et en plus, crossbar, ça, c'est le grillage. C'est le grillage. C'est Anne, c'est une crossbar. Non, crossbar, c'est comme ça. Really, really, really. Ouais, crossbar. Non, mais c'est la mauvaise. C'est la mauvaise barre. Toi aussi, ça fait la mauvaise. Sérieusement cette fois-ci, regardez de quoi je suis capable. Boleuse ou pas boleuse? Je dirais plutôt Urban Boleuse. Celui-là, une crossbar et un fake panier de basket presque. C'est pas mal hein. C'est pas mal. Même, si t'as pas de crossbar, t'as déjà fait ou quoi? Non, j'ai jamais fait. Je suis impressionné. Donc du coup, bah, ça serait déséquilibré de dire que je dois faire de la même distance. Quand même. Quoi, si je fais là, c'est sûr que j'en mets plus que toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je... Genre j'ai été avantagé. Non, genre en fait... Non, ça c'est juste pour dire que
Je mérite pas la victoire. Donc tu veux que je me mette à la même distance que toi et tirer pareil, sans avec aucun avantage. Non, ok. Tu vois, en gros, moi je vais me mettre derrière le milieu de terrain. Mais il faut un autre truc. C'est-à-dire? Moi je suis enceinte, faut que tu sois enceinte. Ok, donc moi je vais faire avec la Urban Ball. Tiens, t'es enceinte de que quelques mois toi, tiens. Voilà. Allez, vas-y. Le handicap, comme celui-là, handicap sainte. Non mais moi il est plus gros quand même. Non, franchement, ça se tape. Attends, je le fais bien ou pas? Céane, s'il te plaît, tu peux me mettre ma chaussure? Ah, oh, t'as plus. Premier essai. Tiens avec la gauche. Voilà. Non mais parce que là je tire normal. C'est là que je t'ai prouvé que j'étais archi fort. Tu vois? Tu m'as demandé direct, brah, tu vois? Deuxième essai. Ok, non mais là c'était trop facile du coup. Donc j'ai oublié d'avoir le vrai handicap. Tu descends ta casquette. Ah, descends la casquette. Presque. Presque en descendant la casquette, ça va? Voilà. Mission accomplie. C'est quoi le next challenge s'il te plaît? Troisième essai, il va devoir me faire un bisou en même temps qu'il tire. Mais de loin. De loin. Bisous, 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 bisous. Bisous, 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 bisous. Yes. Genre t'es enceinte quoi. D'accoucher. En fait, c'était pas vraiment un challenge parce que du coup, j'ai eu plusieurs essais dans chaque domaine. Elle m'a mis. Et puis, tu n'es pas enceinte. Oui, voilà. On va dire que nous sommes à égalité et du coup, il faut un petit truc final. C'est quoi? Moi, ce que je te propose, c'est un penalty challenge. C'est-à-dire? C'est toi qui seras au but? Ouais, c'est moi qui serai au but. Il n'y a que toi qui tire et moi, je dois les arrêter. Celui-là doit marquer un penalty sur 5. Et c'est moi qui gagne. Et c'est toi qui gagne. Et je gagne quoi? Ah, tu m'as dit, tu fais les repas. Je te fais à manger pour l'œufto. Je te fais à manger pour l'œufto. Une date et du lait. Alors celui-là, tu vas tirer avec quelle balle? Bah, celle-là, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est celle de Petit Pont, faut pas qu'elle rebondisse, donc parfait. Ah, ok, vas-y. Moi, ça... Ah, alors, en plus, elle... je t'ai vraiment fait mal. Pardon, je suis. En plus, elle fait mal cette balle. Celui-là, on est à 3 tirs, t'as 2 essais. Ouais. Non, c'est tricheuse. J'ai marqué. Ça marche pas là. Si, j'ai marqué. Non, ça, j'ai marqué. J'ai marqué. La youtubeur, s'il vous plaît, dites dans les commentaires. C'est de la triche quand même. Là. Non. Non, non, non. Il te reste 2 essais. On va faire un truc. Je vais me retourner. Je serai de dos. Quand tu dis stop, j'ai le droit de me retourner. Il faut que tu dis stop avant que tu tires. Ok. Top. Ton top, là-bas, il était déjà parti depuis 10 ans. Top. Ouais, mais j'y vais. Je t'ai laissé marquer. Hey, je me suis crié dans Olivier Tom, genre Thomas Price. J'ai vu Thomas Price, c'était Olivier Tom. Chérie, je suis mariée à toi depuis 2 ans. J'ai gagné un peu de force, tu vois. Ok. En tout cas, je t'ai mis de la force là parce que. Bon voilà YouTubeurs, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. Mettez un maximum de pouces bleus pour mademoiselle, madame Garnier Souila qui nous a fait le plaisir de venir sur la chaîne et de faire du freestyle. Applaudissements, en fait là j'attends les applaudissements. Voilà, donc un maximum de pouces bleus. Dites-nous dans les commentaires quel autre challenge vous voulez qu'on fasse tous les deux en mode. Moi je sais qu'il y en a plein qui nous demandent à chaque fois s'il te plaît, apprends le freestyle à celui-là, apprends le freestyle à celui-là et tout ça. Pour le moment, je suis vraiment incapable, je pense, parce que là je suis bien avancée dans la grossesse, donc je vais pas prendre de risque.
mais peut-être bientôt après l'accouchement faire un petit freestyle ensemble. Ok, donc rendez-vous dans quelques temps sur la chaîne pour faire un petit freestyle ensemble. N'oubliez pas, le CNVS est de retour. La première date, c'est le 9 juin à Saint-Amand-les-Eaux. À partir de midi, les inscriptions et 14h, le début du show. Vous pourrez me challenger. Il y aura des cercles pana, il y aura des cercles freestyle, il y aura des cadeaux à gagner. Donc tout, n'oubliez pas, c'est au casino Partouche à Saint-Amand-les-Eaux. Souila sera sûrement présente. Bah oui. Si elle n'est pas trop fatiguée. Je ferai un petit vlog sur la Garnier Family. Ah oui. Surtout, si vous ne le savez pas, on a une chaîne familiale du coup qui s'appelle Garnier Family et on va vous mettre aussi le lien en barre d'infos. Donc voilà, YouTube, c'est la fin de la vidéo. Si t'es pas encore abonné à Coachian, clique sur le Coachian qui apparaît exactement sur ma tête. Clique sur la Garnier Family pour t'abonner à la Garnier Family qui apparaît sur la tête de Souila. Qui apparaît sur le ventre. Et on se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye. Tu dis coucou à la youtubeuse ? Dites abonnez-vous.